Nous allons voir 6 manières naturelles de lutter contre le déchaussement des dents au niveau des gencives. Il ne faut pas attendre d'avoir des dents déchaussées pour suivre un traitement. Ainsi, un geste est particulièrement important, il s'agit du brossage. Et vous allez constater que le dentifrice est loin d'être indispensable. Voyons justement comment remplacer le dentifrice. Vous pouvez prendre du bicarbonate de soude, appelé aussi bicarbonate de sodium. C'est une excellente alternative, c'est une poudre blanche et naturelle. On le trouve au rayon alimentaire, sel et condiments, dans les supermarchés de quartier ou encore à la pharmacie. Et il coûte quelques euros. C'est à la fois un antiseptique, un désinfectant et un rééquilibrant de l'hyperacidité qui peut être parfois présente dans notre bouche. Il neutralise donc cette acidité qui favorise la prolifération bactérienne et il prévient les caries. Le bicarbonate donne une bonne haleine. Il est à la fois bon pour les gencives et pour les dents. Vous pouvez également préférer le margousier, c'est un antibactérien et un anti-inflammatoire originaire d'Inde. Il est excellent pour les maux de bouche. Vous pouvez l'utiliser en poudre et l'en mettre sur une brosse à dents mouillée. Il remplacera lui aussi le dentifrice. Et quand on souhaite continuer à utiliser du dentifrice, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on choisit plutôt un bon dentifrice à la propolis, à l'argile, à l'aloès, au ratania, à la camomille, à la sauge ou encore au margousier. On peut également faire des bains de bouche naturels qui sont d'une grande efficacité. On choisit un de ces bains de bouche antiseptiques et réparateurs. En fait, on peut faire ou un choix ou une alternance, et puis on le fait régulièrement après chaque brossage des dents. Pour éviter d'avoir à extraire les dents déjà mobiles, c'est-à-dire semi-déchaussées, il faut reconstituer l'os parodontal et le cartilage. Trois produits naturels sont très actifs. Il s'agit du colotium, qui est un probiotique et un prébiotique. Le structum, c'est du sulfate de chondroïtine sodique et un constituant essentiel de l'os et du cartilage. Et enfin, l'aragonite, qui est préparé à partir de la nacre et qui provient de la coquille des mollusques nacriers. Voilà, j'espère que ces remèdes naturels vous ont été utiles. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime et pensez à vous abonner.